Et alors, on est de retour pour cette soirée StarCraft 2. Oh yeah! Alors, la vidéo que vous venez de voir est la vidéo de présentation des Nation Wars 2, qui est un projet qu'on est en train de crowdfunder. Et on va vous montrer en exclusivité mondiale. Regardez, regardez, déjà, on vous montre. Où est-ce que j'ai mis ma bière et tout? Ah là. Et alors, juste deux secondes, on va vous montrer la vidéo explicative des contreparties. Et surtout, comme il y a un décalage de 3 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Après cette vidéo qui dure 5 à 10 minutes, on vous répondra. Vidéo explicative des contreparties, c'est maintenant. Tout de suite. Bonjour à tous, ici Ponf et Tude. Comment ça va, Tude? Bien. Patate. Aujourd'hui, une petite vidéo explicative pour vous parler plus en détail de notre projet de tournoi StarCraft de cet été. Il va s'agir des Nation Wars numéro 2 qui réuniront 16 pays ouais. pour un cash prize total minimum de 7000 euros. Ah oui, c'est ainsi beaucoup. Ainsi que, voilà, évidemment, le titre de nation la plus balèze sur StarCraft au monde quand même. Ça vaut des points. Et voilà, ce projet a un mode de financement un petit peu particulier. C'est vrai, puisqu'on a choisi de faire un crowdfunding pour financer justement les finales de cet événement qui auront lieu au Trianon. Alors le Trianon, c'est vraiment une salle prestigieuse à Paris, une superbe salle, mais aussi pour vous permettre de décider du montant du cash prize que les différents vainqueurs de cette compétition pourront se partager. Et alors en investissant pour ce projet, vous récupérez les contreparties qui sont listées sur la colonne de droite. Donc parmi ces contreparties, il y a pas mal de choses différentes. Il y a les logos du tournoi que vous pouvez mettre sur votre Nexus ou sur votre CC ou sur votre hatch in-game. Vous expliquez ton comment, frigo. Sur ton frigo aussi. Mais dans StarCraft 2, vous pouvez récupérer votre pseudo générique, des vidéos making-of exclusives behind the scenes, mais également des produits collector, tapis de souris collector, un fat tapis de souris, le t-shirt, un wallet button, enfin bref, de quoi vous mettre bien. Et finalement, même pour quelques chanceux, en tout cas ceux qui prendront la contrepartie adéquate, repartir avec une des bécanes de jeu qui sera utilisée sur scène pendant la finale, donc utilisée et dédicacée par les joueurs. Mais à noter que, vous voyez la première ligne tips, vous pouvez aussi investir sans contrepartie directement dans le cash prize, donc l'intégralité de votre investissement contribuera au cash prize de l'événement. À noter cependant que si la jauge du crowdfunding n'est pas atteinte, cette contribution au cash prize ne sera pas prise en compte. On vous propose de vous emmener dans les coulisses de l'événement via notamment le pack DVD qui est accessible aussi en contrepartie, qui vous donne accès au wallpaper du tournoi, qui vous donne aussi accès à des making-of exclusifs avec des images exclusives des coulisses tout au long de la préparation de l'événement, reportage photo, etc., etc. pour vivre et amener les Nation Wars ensemble to the top, quoi. Mais savais-tu, Ponf, que la première édition des Nation Wars a été remportée par la Norvège? Eh oui, je commentais, tu... Et oui, cette édition a été regardée par 300 000 spectateurs uniques. Unique. Et plus de 2 millions de spectateurs cumulés. Je ne sais pas si tu le savais, c'est absolument prodigieux. Et du coup, le titre est remis en jeu, sauf que cette fois, il y aura plus d'équipes, plus d'enjeux. Donc le premier palier de ce financement
participatif qui ne traite que de la finale est situé à 80 000 euros de place, donc la vente de place, et 65 000 euros supplémentaires qui nous permettent de produire l'événement au Trianon. Alors si nous réussissons à atteindre ce premier objectif, on permet au Nation Wars 2 d'avoir lieu dans un cadre de folie au Trianon à Paris. Et alors pour ceux qui ne seront pas sur place le 26 juillet 2014, donc la date de la finale, vous pourrez suivre l'événement en stream HD gratuit sur ogaming.tv. Si vous nous permettez d'atteindre ce premier palier, eh bien vous permettez aussi à 4 équipes de 3 joueurs chacune, les 4 équipes finalistes, de venir jouer leur match sur scène devant un public chauffé à blanc d'un millier, plus d'un millier de fans de StarCraft. Et surtout, vous permettez, en arrivant à ce premier palier, d'augmenter le cash prize puisqu'il passe directement de 7 000 euros à 15 000 euros. Donc voilà, c'est le concept de ces Nation Wars 2. Plus le projet prend de l'ampleur, plus vous lui donnez de l'ampleur et plus le cash price augmente, plus l'enjeu augmente pour les joueurs et pour la guerre du titre. Alors au-delà de ce premier objectif de 145 000 euros, on a choisi de fixer un deuxième objectif qui se situe 20 000 euros au-delà, donc à 165 000 euros. Si nous atteignons ce deuxième objectif, eh bien le vainqueur des Nation Wars 2, la nation qui aura gagné le 26 juillet 2014, affrontera la Corée. Bien sûr ! La Corée tenante incontestable du titre de StarCraft 2 dans le monde. C'est le deuxième palier qu'on a fixé, si jamais, par skill, on arrive à dépasser le premier objectif. Et alors, au-delà de ce second objectif de 165 000 euros, eh bien, ce qui dépassera, ce sera réparti à 50-50, hors contrepartie et frais de commission KissKissBankBank, à 50-50, donc, entre la production de l'événement et le cash prize de l'événement. Que se passe-t-il si on n'atteint pas la première jauge, donc 145 000 euros, si on n'atteint pas celle-là, eh bien tout simplement le projet n'aura pas fonctionné. Chacun récupère son argent, tous les crowdfunders qui se seront investis récupèrent leur mise. Ouais. La salle annule la réservation sans frais pour Alta Production. C'est un dollar pour nous. Et les finales auront lieu online, en streaming HD gratuit, casté en plus de 7 langues différentes, et ça se passera sur Internet, donc pas au Trianon, pour 7 000 euros, le cash price originellement garanti. Et donc comment est-ce que l'argent est dépensé, votre argent? Eh bien à 20% du budget part dans l'allocation de la salle Le Trianon, 20% dans l'organisation technique du spectacle, donc les techniciens, les intermittents du spectacle qui viennent produire cet événement, le son, la lumière, etc. 14% du budget est alloué à la production des contreparties, donc les contreparties qui sont sur la droite de la page, qui coûtent de l'argent à produire évidemment. Le stream également, le dispositif de stream pour pouvoir retransmettre ce qui se passera dans la salle, ce qui se passera lors de ce tournoi, de le retransmettre sur Internet. Ça coûte à peu près 14% du budget. Les frais des joueurs également, puisqu'on se propose de les amener à Paris. Donc une douzaine de joueurs, tout frais payés. Donc avion ou train et l'hôtel, l'hébergement évidemment, sur place. Donc ça aussi, à peu près 14%, 10% dans le cash price, vu qu'on est à 15 000 euros de cash price. Et 8% de frais KissKissBankBank qui comprennent les commissions bancaires. À partir de 1 euro, le tip. Donc le tip ou le pourboire, c'est la manière que vous avez de donner directement et uniquement au cash prize, pas au financement du tournoi, pour augmenter l'enjeu et l'excitation des Nation Wars. À partir de 5 euros, mécène. Donc au-delà de 5 euros, vous récupérez le logo customisé du tournoi Nation Wars et le logo de votre pays que vous pourrez afficher sur votre Nexus, Hatch ou Command Center dans StarCraft 2. En plus, votre pseudo est au générique des Nation Wars. À partir de 15 euros, soldat. Le soldat participe au tirage au sort spécial des Nation Wars qui donne accès à un free-for-all, un FFA, qui sera joué en direct du Trianon et qui vous permettra et qui permettra à 16 personnes de 16 pays différents de eux aussi représenter leurs couleurs. Le soldat peut également envoyer un Vine. Qu'est-ce que c'est un Vine? C'est une vidéo de 6 secondes, ça peut être n'importe quoi et ce sera diffusé pendant l'événement avec les autres contributions des autres soldats. Et à partir de 35 euros, la tour. La tour récupère le pack DVD digital, donc c'est un DVD à télécharger qui vous donnera accès au wallpaper du tournoi et à 2 making-of exclusifs des coulisses des Nation Wars numéro 2. À partir de 50 euros, le cavalier. Le cavalier peut télécharger la bande originale et les musiques des Nation Wars 2, un CD digital composé par Inukronia. À partir de 55 euros, le fou.
Le fou est la première contrepartie qui donne accès à une place assise au Trianon, ainsi que le welcome pack du tournoi, donc des petits goodies made in O-Gaming Nation Wars, ainsi que la majorité des contreparties précédentes. À partir de 75€, la dame. En plus de la contrepartie du fou, la dame vous donne accès à un buzzer, le Wally Button, ainsi qu'une conso gratos le jour de l'événement. À partir de 120€, le roi. La place du roi vous donne accès à deux choses, le carré d'or, donc les meilleures places dans la salle, ainsi qu'une invitation pour la soirée à la fin de l'événement, au meltdown qui aura lieu, la soirée after, avec les joueurs et l'équipe des Nations Noires. À partir de 300€, pierre. Pour la place de la pierre, vous récupérez l'ensemble des contreparties du roi. En plus de ça, le t-shirt collector des Nation Wars et le tapis de souris collector dédicacé des Nation Wars. On précise que ce sont des objets de qualité premium. À partir de 600€, feuille. En plus de toutes les contreparties précédentes, la place de la feuille vous donne la possibilité de nous envoyer un replay à vous sur StarCraft 2 et de décider quels seront les deux commentateurs au gaming qui casteront vos faits d'armes. À partir de 1500€, ciseaux. En contrepartie de la place ciseaux, vous recevez chez vous une réplique de la coupe des Nations Noires numéro 2. À partir de 3000€, pile. En contrepartie de la place pile, et en plus de toutes les contreparties précédentes, vous bénéficiez d'un pass All Access le jour de l'événement, le 26 juillet 2014, au Trianon, pour venir à la rencontre des joueurs et visiter les coulisses de l'événement. À partir de 8000€, face. À ce niveau-là, c'est du lourd. Vous récupérez une des trois bécanes qui auront servi à jouer l'événement sur scène. Trois bécanes dédicacées par les 12 joueurs et l'ensemble du staff Nation Wars 2. Et vous repartez avec une machine de guerre chez vous. Et à partir de 20000€, Frank Underwood. Et la dernière contrepartie, c'est la plus lourde, c'est la plus fat. C'est pour celui, puisqu'il n'y en a qu'une, qui souhaite définitivement amener le projet au next level, c'est Frank Underwood. Donc du coup, nous porterons en hommage de Frank Underwood votre image, votre tête, votre faciès sur nos t-shirts pendant une partie du spectacle le 26 juillet au Trianon. Donc voilà pour le projet des Nation Wars numéro 2 en financement participatif. On vous laisse aller feuilleter les contreparties, voir celle qui vous plaît le plus. En tout cas, on a vraiment hâte de caster du lourd pour cet événement. Ouais, ça fait longtemps qu'on voulait faire cet événement. On a besoin de votre soutien pour le mener à bien. On espère que c'est un événement qui vous plaira. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À partir de 8000€, face. Le serial killer, tu sais. Oh, je trouverai tellement jamais une taf après. Et on est de retour. Ok. Ok, magnifique. On est gratuité. Magnifique. Non, parce qu'il y a des gens chez O-Gaming qui n'avaient pas encore vu la vidéo et c'est vrai qu'elle rend bien. Voilà. Du coup, on vous a expliqué un petit peu les différentes contreparties. J'ai vu des questions sur le chat. Alors, il y en a deux ou trois. Vas-y. Le jeune Tijo qui demande. À combien est-ce que Stefano participe? A priori, c'est très mal parti pour que Stefano participe. Il n'aura pas le temps. Soi-disant, il étudie à la fac. Bon, on sait tous que c'est du bullshit. Non. Non, depuis quand on étudie à la fac? Il a a priori d'autres impératifs. Après, voilà, on ne sait pas. Une campagne de retweet massif sur Twitter peut parfois faire changer. C'est une campagne d'inscription, les amis. On vous rappelle que ça dépend des joueurs. C'est aux joueurs de s'inscrire. Et il reste 24 heures. J'ai vu une autre question, Ponf, c'est est-ce que c'est possible, est-ce que les places sont nominatives ou est-ce que c'est possible d'acheter une place pour quelqu'un d'autre en fait? Pour l'instant, tu ne peux pas acheter de place pour quelqu'un d'autre, tu peux l'acheter que pour toi. D'accord. Après, c'est une option qu'on hésite à rajouter au projet. Puisque ça peut simplifier les choses pour certaines personnes. On vous tiendra au jus, pour l'instant c'est pas possible. Ok. Ensuite il y avait, faut parler en kebab pour être plus explicite. Alors j'ai vu une question pertinente. Ouais. Ne pensez-vous pas que vous vous éloignez trop de votre public avec un premier prix pour une place à 55€? La place est chère, 55€, mais
si vous avez bien suivi toute la vidéo, ne comprend pas que la place, puisqu'elle comprend toutes les contreparties précédentes, c'est-à-dire le logo, le pseudo-générique, la participation au FFA et au Vine. Donc vous pouvez participer, envoyer vos créations pour qu'on les monte et qu'on les diffuse. Le CD d'Inuchronia également, le pack digital avec les deux making-of et le wallpaper, la place... Et le welcome pack. Et tout le spectacle aussi. Hein, c'est, si vous nous connaissez, donc on va faire vraiment un événement aussi grand que possible. Dans une salle, si l'événement arrive à atteindre la première barre, hein, précision importante, 145 000 euros, dans une salle qui est le Trianon, qui est une des salles de Paris les plus prestigieuses. Et voilà, c'est un prix qui est nécessaire. Hein. Si on pouvait faire que les choses soient moins chères pour tout le monde, on l'aurait fait. C'est nécessaire. Mais donc voilà, 55, c'est une somme, effectivement. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Après, ça ne permet pas que l'entrée dans le Trianon. Encore une fois, il y a beaucoup de contreparties en plus pour ce prix-là. Et c'est un événement qui coûte de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un crowdfunding. Ouais. Sinon, on s'en serait passé. Tac, tac, tac. Tude et les faux raccords. Exact. C'est ma spécialité, les faux raccords. Et enfin, est-ce que c'est un crowdfunding international ? Tout à fait, le crowdfunding est disponible en anglais aussi, en version anglaise, et sera pubé pendant toutes les phases online, puisque le crowdfunding aura lieu pendant les matchs des phases online, donc les 16e de finale et les 8e de finale et les quarts de finale. Et on compte évidemment beaucoup sur la communauté internationale pour et donner à l'événement, et donner au cash prize surtout. Voilà, parce qu'on rappelle que les joueurs ont un intérêt eux aussi à ce que ça finisse à Paris, parce que déjà de 1 ils viennent à Paris, ça faut quand même rappeler que nous c'est vrai qu'on est français, donc la plupart d'entre vous peut-être Paris vous connaissez, mais pour un étranger quand même aller à Paris c'est peut-être comme pour un français aller à New York ou à LA, c'est quand même des villes que t'es content de visiter. Et il y a aussi, on vous rappelle, la participation au cash prize, vu que quoi qu'il se passe, soit vous donnez 100%, soit en moyenne vous donnez 50%, mais quoi qu'il se passe vous donnez toujours un peu d'argent au cash price. Et ça aussi, ça fait que si demain le premier il prend 20 000 euros au lieu de 7 000 ou au lieu de 10 000, je pense que pour les joueurs c'est grand bien leur feront, donc c'est pour ça que non, en effet, c'est international, et on pense et on espère d'ailleurs que les joueurs vont participer à cette communication, parce que c'est dans leur intérêt tout simplement. Pour combien on peut avoir un gif de Tude quand il présente la contrepartie face? Ça n'est que c'est gratos, ça va popper tout seul sur internet, je pense. Ça arrive. Définitivement, il trouvera plus de les mêmes. Les mêmes qui commencent à arriver. C'est une salle de 1100 places où Kiss Kiss Bang Bang, il y a 930 places de dispo. Il reste donc 170 places. Seront-elles mises en vente via des circuits normaux ? J'ai une très grande famille, les amis. Alors, Fnac, Digitik, etc. En partie, il y aura une petite poignée de places qui seront mises en vente après la fin du crowdfunding, qui seront plus chères que les places qui sont proposées dans le crowdfunding aujourd'hui, et qui nous permettront aussi de faire rayonner l'événement sur les réseaux Fnac. Quand on est organisateur de compétition, ça n'est pas négligeable pour faire rayonner le tournoi. Il y en a aussi qui sont donnés à la presse, donc pareil, des gens qui vont venir au tournoi pour écrire dessus et en parler. Il y a des invités, puisqu'il y a des gens qu'il faut parfois inviter, soit des partenaires commerciaux, soit des amis très très proches, évidemment. On ne va pas inviter nos potes, on ne va pas inviter toute la famille d'Anos, par exemple, mais probablement sa maman. C'est gentil, mais non. Ah, merde, enfin, j'avais la chance de rencontrer ta rhum. Et donc voilà, tout, quoi qu'il arrive, voilà, y a toujours des places qui sont un peu mises de côté dans ce genre d'événement. Vous vous en rendez compte? Et j'ai vu aussi, c'est dommage qu'on finance le cash prize. Moi, je veux vous donner à vous, genre payer la prod. Bah, ça fait les deux, hein, donc... Qu'est-ce que tu leur répondrais Techniquement, si vous payez avant d'arriver à 145 000 euros, donc le premier palier, vous aidez quand même en très très grande majorité à la production de l'événement. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe de 7 000 euros à 15 000 euros, donc on rajoute 8 000 euros dans le cash price, 8 000 euros par rapport à 145 000. Bon, je crois qu'en physique, on dit que c'est négligeable. Ouais, c'est majoritairement de la prod, hein. Les 145 000 premiers euros. Et 145, c'est l'objectif de base. C'est là où nous, on considérera qu'on a fait le taf. Après, il y a le deuxième objectif à 165 qui permet d'avoir le match contre la Corée.
Donc ça, si ça a lieu, c'est génial. Enfin, ce sera un match de ouf. Donc ça, pour rappeler, ce sera joué pas au Trianon, ce sera joué quelques semaines après. On n'a pas encore la date, tout simplement. Mais je pense que vu l'engouement, en tout cas, qu'il y a pour ce tournoi en ce moment même, et si on arrive à atteindre le premier palier, les Coréens sont très très chauds pour revenir et nous expliquer qui c'est qui poutre sur StarCraft 2 pour s'inscrire, etc. Donc ça promet d'être un match en BO9 qui devrait vraiment envoyer du bois avec 5000 euros de cash prize sur ce match-là. Au minimum, si jamais on pète le score et qu'on dépasse toutes les jauges, vous avez compris, donc là on passe à 50% de cash et 50% à la prod du tournoi. Et dans ces 50% de cash, on pourra aussi choisir de mettre un plus gros enjeu pour ce dernier match. Alors, il y a des gens qui demandent, c'est quoi le lien pour participer au crowdfunding? Est-ce que tu peux le mettre, Georges, en régie? Le lien sur le chat, ouais, ou alors... Sur le chat et le mettre en bandeau. Bah, de toute façon, vous allez dans Google, sinon, vous faites Kiss Kiss Bank Bank et Nation Wars, et vous allez tomber dessus direct. Nation Wars 2 au Trianon. Ils sont dans les descriptions de toutes les vidéos YouTube, ils sont aussi dans les descriptions de tous les posts Facebook, aussi bien pour Fécu que qu'on a écrit tous ceux aussi qui ont newsé, en fait, où ont partagé vos, vos, comment dire, vos articles, il y a toujours le lien dessus. Donc, comme tu l'as dit, c'est Kiss Kiss Bank, et au pire, si vous passez par directement Google, tapez dans la barre de recherche Nation Wars sur le site Kiss Kiss Bank, et vous tomberez automatiquement sur le lien du projet, avec toutes les explications d'ailleurs, qui ont été dites ici, sauf qu'elles sont pas écrites. C'est ça. Alors, tout le contenu de la vidéo, il est concrètement écrit sur le site. Et je crois qu'on va être prêt pour... on va peut-être pas faire de pause maintenant. On va être prêt d'ici... On fait une petite pause de 10 minutes. Pour changer le setup. Thierry nous dit qu'il faut qu'on passe une pause. Dans ce cas, juste une dernière réponse. Il y a des gens qui demandaient, est-ce qu'on pourrait être placé dans la salle à côté de votre poteau? La réponse est oui. Donc les places sont divisées en trois catégories en fonction de la visibilité qu'elles permettent sur la scène. Donc la fosse, premier étage, deuxième étage. Et à l'intérieur de ces, trois catégories, vous êtes placé quand vous arrivez sur l'événement et vous pouvez vous mettre à côté de votre pote ou de vos amis pour la durée de l'événement. Donc ça, c'est un truc qui n'était pas présent dans les événements de gaming avant, Iron Squid, Tales of the Lane, Bataclan, etc. Et cette fois-ci, ce sera mis en place. Voilà. Ok. Okay. Et je précise aussi une dernière chose, c'est que si on n'atteint pas la première barre, en fait, vous récupérez votre argent. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Vous n'avez pas de risque de perdre votre investissement si l'événement ne se fait pas. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Ok, super. Donc on fait une petite pause. Derrière Underdogs, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, et on se retrouve tout de suite après, restez dans le coin. A tout de suite. A tout de suite.